on l'applaudit. Pas de déguisement aujourd'hui, je suis venu en civil et il n'y aura pas de bavure. C'est vrai que c'est des lunettes de civil. Ouais, c'est des lunettes de civil, super, ça va. Alors moi j'ai... Bonsoir Sophie, bonsoir Sophie. Il maigrit, énormément maigrit. Ben oui, ouais. petit régime. Bonsoir Yanis. C'est Yanis le responsable ? Non, Yanis, ça aurait pu être lui, mais je suis passé par une autre filière, beaucoup moins cher. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une petite question. Mouloud, tu nous as manqué la semaine dernière, tu n'étais pas là. Et tout le monde me pose la question, où était Mouloud ? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Next ? Oui, ou next. Moi, je dis juste que la semaine dernière, c'était la réouverture des restaurants et des terrasses. Et c'est une coïncidence assez bizarre. On démarre. Yanis, on va parler un peu de coach sportif. J'ai remarqué qu'il y avait plus de coach sportif que de sportif. Pour devenir coach sportif, tu rajoutes coach devant ton prénom et c'est parti. Coach Joe, coach Alex, coach... ils sont nombreux. On salue nos amis qui sont à Los Angeles. Ouais. Ouais, c'est des très très bons coachs aussi. Coach Cindy. Que je salue d'ailleurs. Coach Joe, c'est mon ami. Ouais. C'est super. Il y a un coach que je connais qui s'appelle Jean-Louis à Marseille et qui fait de la préparation physique pour éviter les contrôles de police. Donc, il te dit, vas-y, tu cours sur 500 mètres, tu sonnes au premier étage et tu te casses, tu fais un burpees pour aller sous le lit. Et c'est renforcement musculaire. On salue ce coach aussi. Voilà, super. Sophie, j'ai suivi un petit peu... Je suis coach un peu, moi aussi. Ouais, c'est coach, pas aussi mais, bonne que lui. Coach musical. Coach musical. Vous êtes plus... On a lu. C'est plus dans la flûte. Hein. Super, franchement, j'ai vu. Yanis. Il y avait un début de texte. Hein. Ben oui, mais c'était bien parti. Non, on était bien parti, mais après. Non. On a bossé. C'est très difficile, Mouloud. Non, il est très, très difficile à nous, les humoristes, les stand-uppers. C'est très difficile à la télévision parce qu'on a une concurrence. On a de très, très grosses concurrences. Parce que moi, la semaine dernière, j'ai regardé la télé et j'ai vu un débat sur la violence policière. Et je vous jure, ce n'est pas une vanne. Ils ont invité Véronique Geneste, Julie Lescaut, à parler de racisme et de violence policière. Ce n'est pas une vanne. Non, sérieux. Je te jure que c'est vrai. Ils ont invité Julie Lescaut. Non, c'est vrai. Au départ, ils voulaient inviter Horacio Kane, des experts à Miami. Il était sur CNN. Il n'a pas pu être là. Non, mais c'est le délire. Ça veut dire que pour parler... de climat, ils vont inviter Evelyne Delia. Moi, non, j'adore Evelyne Delia. J'adore. Moi, j'ai toujours connu Evelyne Delia à la télé. Elle a démarré en 1492. Lundi, Christophe Colomb, il découvre les Amériques. Mardi, elle fait sa première météo. Il fera 17 dans le Kentucky, 27 à Minneapolis. Pas bien. Non, les gars. J'adore Evelyne Delia. Je vous jure, je l'adore. Avec toutes ces années, elle a fait la vue. Et... Non, les gars, c'est écrit, j'ai bossé. Pendant ces années, je vous dis la vérité, elle a fait la pluie et le beau temps, mais sur elle, le temps n'a pas d'emprise. Oui. Evelyne, je t'aime. Hey, petit t-shirt, amour. C'est sympa. C'est voilà, on fait des petites vannes, mais on récupère derrière. Non, je voulais parler d'un autre truc. Il y a une violence policière sur le petit de Bondy qui s'appelle Gabriel. Ouais. Ça m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si vous avez vu son visage. Il s'est fait tabasser parce qu'il avait volé un scooter. Il était même en train de le voler. Il n'avait même pas volé. Heureusement qu'il n'a pas volé une voiture. Parce que tu imagines, pour un scooter, ce qu'ils lui ont fait, il était gonflé et la déposition des policiers, c'est la dame l'a attrapé, un policier a glissé sur son visage, un autre pareil. En fait, s'il y avait une vidéo de ce qui s'est passé, on gagnait vidéo gag. Non, je te dis la vérité. Ça glisse. Bon, il y a une part des policiers qui ne fait pas son job, mais il y a une part des policiers qui font leur job. Hier, en sortant de soirée, il y a une voiture de police qui s'arrête. Je suis avec un acteur, je ne vais pas dire son nom, mais il a joué dans le bureau des légendes. Et je vous jure, les policiers nous ont raccompagnés à la maison. J'ai dit, c'est sympa, mais doucement. Ils m'ont dit, on va lever le pied. J'ai dit, hey, pas sur le visage, mais super sympa. Donc, il y a des mauvais policiers, il y a des bons policiers. Les gars, stop la haine, faisons l'amour, passez une bonne soirée. Merci Redouane.